Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire la vidéo la plus rapide possible pour vous montrer toutes les quêtes et comment récupérer le skin fondation gratos. Bon, il vous faut quand même le pass de combat, mais du coup, c'est parti. Donc, déjà, quand on se connecte, on voit ça, c'est très joli. Quête de la fondation, mener les 7, qui a obtenu des récompenses, blablabla. Je sais pas c'était vers quelle heure, est-ce que c'était vers 15h les quêtes, etc. J'en sais rien. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, les quêtes quotidiennes, c'est comme d'hab, on connaît. On a les quêtes de saison, il y en a une nouvelle, ok, ressort des objectifs. Quête d'étape, on connaît. Et donc, la fondation, c'est juste là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser des potions de bouclier pour avoir un tag. Recruter un personnage et parcourir 1000 mètres en sa compagnie pour un petit revêtement. Tirer sur un adversaire avec un fusil de sniper en étant accroupi pour la cape. Infliger des dégâts de mêlée à des adversaires pour avoir la pioche. Fouiller des coffres et boîtes de munitions pour avoir une émoticône. Et visiter trois trucs pour avoir le skin. Ok. Bah c'est parti, je vais faire tout ça et puis je vous retrouve dès que j'ai réussi un truc. Évidemment, avant que je vous montre comment faire les défis le plus facilement possible, n'oubliez pas le code créateur NCU dans la boutique Fortnite. C'est gratuit, vous perdez rien et puis ça me soutient. Merci à tous. Alors, du coup, on va commencer par le premier défi qui est le meilleur, obtenir le skin à la fondation. Voilà, c'est le meilleur truc d'obtenir le skin. Donc je vais vous montrer comment faire. Hop, je vais essayer d'être assez rapide. Et désolé si ça bug, je suis pas en mode performance, du coup je bug de ouf, voilà. Alors, du coup, pour avoir le skin, hop, je vais faire en même temps la mission. Hop, il faut que vous alliez visiter trois endroits dans tout cela. Enfin, en fait, il faut visiter les deux là, plus un avant-poste. Sauf que comme il y a un avant-poste ici, bah, on peut faire les trois qui sont là. Donc vous visitez les trois là, hop. Moi, je vous conseille d'abord d'aller à celui où je suis allé. Comme ça, il est là, hop. Ensuite, vous nagez. Hop, c'est rapide. Je vais juste ouvrir le petit coffre. Voilà, on sait jamais s'il y a des trucs intéressants. Ensuite, donc, on visite la statue de la fondation. Et comme ça, vu qu'on peut voler. Ok, on peut pas voler. Pourquoi je peux pas voler? Ah, c'est bon. Je sais bugger. Bon, on s'en fiche. Ensuite, vous volez. Et vous allez juste au sanctuaire. Et comme ça, vous obtenez le skin. Et vous savez quoi? Je vais même quitter pour carrément vous montrer directement le skin. Et bah voilà, le petit skin de la fondation, très simple, vous visitez les trois endroits comme moi, hop, et vous l'avez le débloquer. Hop, on va l'obtenir et l'équiper directement et on passe tout de suite au deuxième défi. Alors les gars, on se retrouve pour le deuxième défi. Hop, et c'est celui-là. Utiliser des potions de bouclier en une seule partie. Putain, je sais pas parler. Il faut en utiliser 4. Hop, vous ouvrez des coffres, voilà. Donc pour en utiliser 4, bah vous allez voir vous prendre des dégâts, etc. En fordant point, c'est pour ça que c'est mieux. Et donc là, je bois ma dernière, j'en avais déjà bu 3. Et donc j'ai gagné le tag qu'on ira voir tout après parce que je vais faire les derniers défis en une seule partie. Donc je vous les montrerai après les récompenses. Mais donc c'est parti, on va continuer avec le deuxième défi. Les gars, je suis dans la merde. Attendez, il y a un mec qui veut me rush. Il faut que je fasse mon défi, moi. Je dois toucher quelqu'un avec un sniper en étant accroupi. Ok, je vais essayer avec lui, mais il a l'air chiant. Ok, j'ai réussi. Ah! J'ai réussi. Donc en oscope, ça marche aussi, parfait. Donc deuxième défi, troisième défi réussi pour l'accessoire de dos. Et on continue avec un quatrième défi, pardon. Vous savez quoi? Attendez, je coupe même pas. Je m'en les couilles. Je suis un thug. Je vais direct rush lui, regardez. Non, mais il est mort, mais... Hop, 3-6 no scope. Bon. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de dégâts, ça a pas marché. On va continuer. Bon, on a encore fait un petit peu de dégâts. Et le dernier, moi je vous dis, c'est celui-là. Tiens, tiens, prends ça, prends ça. 3-6 no scope. Et voilà, j'ai réussi, let's go. On passe au cinquième défi. Bon là, si vous l'avez pas compris, il fallait juste mettre des coups de pioche à des noobs. Donc j'ai réussi. Hop. Et du coup, on débloque le tag. Il fallait faire quoi? Il fallait boire 4 potions, les gars. 4 potions en une seule partie. La cape, il fallait faire un coup de sniper accroupi. Donc moi, je l'ai mis en no scope parce que je suis un pro, mais
C'est normal, vous inquiétez pas. Non, je rigole. La lame, il fallait mettre 5 coups de pioche, donc 100 de dégâts au total. Donc j'ai réussi aussi, mais c'est assez simple en réalité. Juste les gens, ils vous tirent dessus avec des armes parce que c'est des toxiques. Ils vous laissent même pas faire des défis. Et du coup, normalement, il doit rester. Bon, les plumes, on s'en fiche. Il doit rester 2 défis. Et après, il y en aura peut-être encore 6, je crois. Ouais, pour déverrouiller ça. Mais je sais pas si on peut la faire. Bref, on va voir ça. On se retrouve en game. Bon, les petits frérots, on se dirige tout droit vers Cover Caverne. J'ai toujours envie de dire Cover Canyon alors que c'est Cover Caverne. Bref, c'est le nom français, c'est pour ça il est nul. D'ailleurs, regardez comment il rend le skin, il est grave stylé. Bon, j'ai pas mis le bon planeur parce que je l'ai pas encore. Et la pioche, on peut la mettre en double, je vous ai pas montré, c'est incroyable. Bon, je vais sacrifier une couronne pour vous, voilà. Je vais la sacrifier parce que malheureusement, bah, je vais juste faire mon défi là. C'est quoi, regardez, je vais même jeter la couronne dans le vide si quelqu'un veut la chercher. Hop! J'ai jeté ma couronne! Vas-y, je m'en bats les couilles. De toute façon, je vais même pas jouer la game, je vais quitter. Bref, il faut jouer des corps, des boîtes de munitions. Hop, il y en a un juste là. Hop, toi t'es une merde. Hop, lui je le bute. Voilà, dégage. L'ennemi a recruté de nouveaux espions et je veux savoir de qui il s'agit. Lui, les combinaisons cancer, des gardes de l'IO sont conçues pour reconnaître les agents alliés. Donc, est-ce que vous pourriez, si possible, en éliminer un de manière discrète et permanente? Merci d'avance. Apportez-moi sa carte d'accès et on fera comme si rien ne s'était passé. Bah ok, 10 PV. Bon bah on relance une autre game. Pourriez, si possible, hop, en éliminer dernière un caisse de de munitions. Et ça fait 3. Hop, on va sa cacher carte ici et on fera pour comme bien si rien. vérifier. Merde, vous avez mon écran noir, je suis désolé. Ok, vous savez quoi? Normalement il y a un personnage pas loin, attendez, je vous retrouve pour le personnage. Bon bah il y a un mec toxique qui m'a tué alors que j'étais AFK. C'est pas grave, on relance direct. Et voilà la récompense, une émoticône. On s'en fiche, c'est pas grave, on relance. Les gars, je vous montre la carte des personnages à recruter vite fait pour le dernier défi. Il faut recruter un personnage, donc voilà sur la map où est-ce qu'ils sont. Je peux zoomer un peu, voilà, hop, vous regardez. Et donc, vous en recrutez un, vous marchez 1000 mètres avec lui, et voilà. Oh là, comment ça lag? Je pète un câble. Vas-y les gars, je vais péter un câble. Y'a que des rageux. Mon jeu il bug de ouf. Le mec il m'a carrément volé mon PNJ. Dans la game d'avant, j'ai voulu être gentil. J'ai voulu être gentil, je laisse au mec le PNJ. Moi je préfère prendre les armes. Et bah non, le mec il fuit comme une grosse tarlouse. En plus il est mort juste après moi. Alors il recrute un PNJ pour rien, ce débile. Bref, là je vais pas faire la même erreur, je vais le recruter direct, vous allez voir. Il va moins faire le malin. Hop, voilà. Je vais prendre une arme, comme ça les autres font moins les malins aussi. Et je vais carrément m'enfuir. Je vais m'enfuir en. Il veut quoi lui? Pourquoi il tire? Je vais m'enfuir en quad, je n'ai rien à faire. Il est où mon lama? Lui, je vais le recruter direct. Enfin, ça se recrute pas un lama, mais t'as capté. Bref, on se retrouve dès que j'ai fait les 1000 mètres. Bon les frérots, j'ai réussi le petit défi là. Ça fait 1000 mètres, je cours avec un bot qui me casse les pieds. On va quitter, on va voir la récompense et on va continuer avec les 6 autres défis si on peut les faire. Et j'espère qu'on ne peut pas les faire parce que j'ai la flemme de les faire aujourd'hui, je vais pas vous mytho. Mais je vais quand même les faire. Voilà à quoi ressemble le revêtement. Il est très moche, j'ai fait ce défi pour rien. Il est trop moche, en plus le bot il m'a saoulé. Et attention. Oh, on peut faire les quêtes, j'ai la flemme! Bon bah, on continue la vidéo. Hop, 5 nouvelles quêtes à faire, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Atterrir à un avant-poste et faire top 10. Mais ils se foutent de ma gueule, mais j'ai pas envie de faire des games là! Accomplir toutes les quêtes. Ah bah, encore mieux. Ah bah alors, hein. Participer à l'élimination de Gunnar. Mes frères, mes frères! Des dégâts, des adversaires. Non mais ça y est, des tirs dans la tête. Non mais toujours plus! Vas-y, vous savez quoi? On va arrêter la vidéo là. J'ai la flemme, je vais pas vous mytho. De toute façon, frère, faut faire top 10. Vous savez comment on fait. Vous atterrissez là, là ou là, vous faites top 10. Ensuite, en plus deux fois. Oh là là, on s'en va pire. Accomplir toutes les quêtes de la fondation. Bon, ça, faut tout faire.
Là, il y a un boss à couverte caverne. Vous devez le tuer, sachant qu'il y a tout le monde qui va là-bas. Bah, c'est la merde. Ensuite, vous devez faire 1000 kills, enfin 1000 dégâts avec des pompes ou des mitrailleurs en dessous de vous. Ça aurait été quel bail. Et tire dans la tête 500 fois. Bref, voilà. Et en tout cas, le skin est très stylé, mais dommage, j'ai la flemme de le faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je ne fais pas les derniers défis. Mais de toute façon, je vous les ai montrés au moins, c'est principal. Allez, ciao!